qu'on nomme. La Fédération algérienne vient de nommer un technicien serbe, en l'occurrence Milan Milovan, plutôt. Voilà, Rajvac. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? On dit que vous vous connaissez assez bien. Ben écoutez, assez bien. Moi, je connaissais le premier joueur avant. Et je sais qu'il était concurrent avec moi pour la sélection Bosnie. C'est ça. Je sais que. Voilà. Mais vous savez, parler d'un entraîneur, je parle comme homme, c'était un très très bon footballeur, c'était un sérieux, c'était quelqu'un qui. Après, vous savez, quand j'ai pas travaillé avec lui, je peux pas vous dire. Voilà, comme entraîneur, comment il est. Honnêtement, ce que j'ai entendu, c'est un très très bon technicien, c'est quelqu'un qui a une philosophie de jeu qui le porte en avant, un jeu facile. Je dis honnêtement, je connais comme homme, mais comme entraîneur, vous savez, c'est difficile de parler parce que lui, il a travaillé à Bernard, en sélection différente, moi je travaille en France. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui j'estime beaucoup. C'est une chose que je souhaite, qu'il travaille bien avec Algérie, parce que Algérie a un potentiel qui est très, très, très intéressant de faire une bonne chose. Justement, sur le plan humain, M. Bastarevitch, comment pouvez-vous nous le décrire? Parce qu'il il reste méconnu un petit peu du grand public. Décrire, c'est comme footballeur, c'est quelqu'un très sérieux, très, très ouvert, vous savez, quelqu'un qui règle tout ça en discutant, c'est pas quelqu'un qui cherche le problème s'il n'y a pas, mais c'est quelqu'un qui est assez discipliné et strict dans son football. Alors, c'est la seule chose que je peux vous dire, quoi. Je ne peux pas vous parler de plus, mais quelqu'un que moi j'aime bien et je suis très très loin. Je pense qu'il fera des bonnes choses avec l'équipe nationale. Vous avez dit que vous le connaissiez plus en tant que joueur. Comment il était joueur? Est-ce que on sait que c'est un défenseur? Comment il était? Oui. Très sérieux, très discipliné, très très appliqué. Voilà, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais. Qui allait jusqu'au bout tout le temps. Et c'est quelqu'un qui est fidèle. Vous savez, c'est comme football, c'est comme ça. Là, qui jamais lâché ses combattants. Et voilà, l'image, je le garde, c'est l'image d'un très, très bon, très bon personne. Exactement. En Algérie, beaucoup le comparent déjà à Vahid Halilhodžić. On sait qu'ils sont aussi très amis. Est-ce que vous pensez qu'il peut, disons, refaire le même coup qu'a fait Vahid avec la sélection algérienne? Bah, vous savez, il faut pas attendre, c'est une autre époque. Vahid El Rey aussi, à cette époque, il faut pas comparer avec personne. On a chaque sa personnalité, chaque vision de jeu. Je pense qu'il faut aussi travailler, surtout. Voilà, Vahid, il connaît peut-être mieux que moi. Mais surtout, je pense qu'il faut pas, avant de commencer, chercher de l'histoire, vous savez. Mais essayer de travailler, je pense que c'est quelqu'un qui va donner satisfaction. Parce qu'encore une fois, il va être appliqué et il a vraiment envie de réussir, je pense. Comme c'est quelqu'un que je connais, s'il a toutes les qualités de premier joueur, voilà, je pense que quelqu'un, il va aller au combat, il va aller construire une équipe combative. Qualité, il a. Voilà, pour ça, je vais très travailler et je sais que je n'arrive pas à gérer, on fait prendre des bosniens, quoi. Justement, coach, je vais vous poser une question, disons, assez claire et directe. Monsieur Rajvac n'a pas entraîné depuis 5 ans, depuis 2011. Est-ce que ça peut poser problème selon vous? Ah, ben ça, vous savez, ça peut poser des problèmes. En même temps, ça peut donner envie de bien faire, voilà, motivation, très chaud. Après, ça dépend s'il n'a pas entraîné, s'il a observer s'il était dans les matchs, dans les compétitions, c'est ça aussi ce qu'on est avec. Moi, je n'ai pas de réponse parce que je n'étais pas dans ce cas-là. Ça peut être un handicap, ça peut être un avantage. D'avoir tellement envie de encore profiter pendant cette période
d'aller voir les matchs, d'aller voir d'apprendre les choses. Ouais. Exactement. Quand j'étais absent à 16 mois, j'ai pas travaillé, mais j'ai décidé de pas travailler. Mais j'ai bougé, j'ai regardé, j'ai observé l'équipe nationale et les clubs, tout ça. Alors ça m'a permis de voir vraiment plein de choses. Bon, après, j'ai eu encore beaucoup de réserves sur les réponses parce que, vous savez, moi, je ne connais pas suffisamment de personnes, des entraîneurs. Je ne vais pas me prononcer sur le mieux. Exactement. Autant que j'ai eu attendu comme entraîneur, je pense qu'il devait avoir beaucoup de satisfaction. D'accord, je finirai par cette question. Coach Bazdarevic, on a beaucoup entendu, votre nom a beaucoup circulé ici en Algérie. À un moment, il a circulé en sélection, même dans certains clubs comme l'USMA. Est-ce que vous étiez approché ou pas du tout? Vous savez, même pour les sélections, j'ai été approché, mais... Disons, ils avaient d'autres pistes. Au niveau des clubs, oui, il y avait des contacts. Mais voilà, bon, quand je suis en sélection, pour quitter une sélection de Bosnie, il faut qu'aussi, il y a un projet, il faut qu'il y a. Voilà. J'ai été approché, j'ai toujours apprécié de cette demande. Et j'espère, je vous dis sincèrement, un jour travailler. Et voilà quoi, Algérie, en tant qu'entraîneur, je ne sais pas quoi, mais voilà. Parce que les gens, plusieurs fois, ils voulaient moi. Et vivre cette expérience avec cette également population que j'apprécie énormément comme état de football, voilà. المنتخب الجزائري عنده خصوصياته يمكن يليق بنا مدرب من حجم المدرب السربي ممكن يليق بنا بايدر لوزيتش ولا يليق بنا لا كابيلو ولا كيروش ولا ويموتس ولا مدربين كثر كانوا على راس الكثير على صدر الكثير من الصفحات التي تحدثت عن الكثير من الاسماء ولم تذكر هذا الاسم ربما خرج البارحه في بعض وسائط التواصل الاجتماعي ك ك كطريق ولكن الاتحاد سارع اليوم الى الاتفاق معه والاعلان رسميا على انه سيكون المدرب الوطني ابتداء من الشهر المقبل. في رايك التخلي عن المدرسه الفرنسيه على الاقل في الفتره الاخيره والتوجه مره اخرى الى مدرسه سربيه هل الحنين الى فتره حليلوزيتش هو اللي خلى رغم الخلاف اللي كان بين حليلوزيتش وراوراوا والذكريات الجميله اللي كانت للجزائريين مع المدرب حليلوزيتش هو اللي خلاهم الاتجاه الى هذا المدرب مدرب ميلوفان؟ صدقني بانه لم تكن هناك اولويه لجنسيه على اخرى لم ولو كان هناك مدرب فرنسي يستحق ان يكون مدربا للمنتخب الجزائري لكان اعتقد لكان تم الاتفاق معه والامر لا يتعلق بالجنسيه ولا يتعلق بالمدرسه ولا يتعلق بعلي لوزيتش الامر يتعلق بالسوق ايضا نحن عن لدينا منتخب عنده خصوصياته والسوق ايضا تتوفر فيه اليوم الكثير من المدربين صدقني بانه مثلا كان هناك كلام عن كابيلو كان هناك كلام عن المدربين تصفهم ويصفهم البعض بانهم كبار لكن سعرهم كبير جدا لا يمكن ان نتصور بان الجزائر تمتدي مدرب ب 300 ولا ب 400 الف يورو لا يمكن ان نتصور بان الجزائر تمتدي مدربا قد لا يضمن لك الفوز بكاس امم افريقيا او التاهل الى نهائيات كاس العالم المقبله ولو انه ضمان هذا التاهل وهذا التتويج طبعا يبقى امرا مستبعد لا يمكن لاي واحد ان يضمن لك التتويج او الفوز الامر لا علاقه له بالجنسيه الامر عنده علاقه بخصوصيات المرحله التي تقتضي انه يكون هذا المدرب هو مدرب المنتخب الجزائري كان بامكان ان يكون مدرب اخر الاتفاق وقع مع هذا المدرب صدقني بانه كان هناك كلام حتى كان هناك تواصل كبير من عدد كبير من المدربين هم الذين اعرف بانهم هم الذين تواصلوا مع الاتحاد الجزائري من اجل الاشراف على المنتخب الجزائري طبعا الجزائر التي صارت لها سمعه المنتخب الجزائري صار له سمعه كبيره جدا عندما يتصل كابيلو ويريد الاشراف على المنتخب الجزائري هذا شرف كبير للجزائر عندما كيروش مثلا مدرب منتخب ايران اليوم مدرب البرتغالي بسبق له مدرب الريال ودرب منتخب البرتغال ويعرض خدماته على الجزائر هذا امر يعني مهم جدا بالنسبه الينا اعتقد واتصور واتمنى
أن نكون موفقين في هذا المدرب. سابق لأول الحكم عليه يعني الآن قمنا قلنا لا يمكن أن نحكم على مدرب لم يبدأ بعد عمله. طبعا الشيء المختلف هو أنه لا يتكلم فرنسي, يتكلم فقط إنجليزية. الشيء الجميل هو أنه لم يسمع ولم يقرأ ما يكتب وما يقال عنه في مختلف وسائل الإعلام, طبعا لأنه لا يتقن لا الفرنسية ولا اللغة العربية. هذا شيء جميل من ناحية أنه لا يقرأ أو لا يتأثر ربما بالصحافة التي تكتب عليه, ولكن ألا ترى أنه الآن صعوبة بالنسبة للاعبين الجزائريين الذين لا يتقن الكثير منهم ربما الإنجليزية, صعب جدا من ناحية التواصل, أم أنه ربما المدرب المساعد هو من سيسهل هذه العملية, أم أن الكرة الآن أصبحت عالمية وبالتالي على الأقل الآن اللاعبين هم الذين يسيرون المدرب, أم الآن انقلبت المعادلة؟ لا, المدرب هو الذي يسير, والمترجم جاهز, سيكون له مترجم هذا المدرب,